Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Shurima. Shurima est l'une des régions les plus vieilles de Runeterra. Il y a des millénaires, des populations de l'est de Runeterra migrèrent sur les côtes de Shurima et y amenèrent leurs connaissances. Malgré le fait que Shurima était un territoire aride, c'était un puissant empire dont la civilisation s'épanouissait et dont le territoire s'étendait jusqu'aux confins du continent sud. De plus, cet empire possédait une énorme armée. Durant le règne d'Azir, ainsi que bien avant son arrivée au pouvoir, l'esclavage était une chose commune dans l'empire. L'empire entier dépendait de la force ouvrière de ses esclaves. L'empire Shurimien possédait un des plus puissants pouvoirs à cette époque, le disque solaire. Celui-ci permit de donner des pouvoirs divins aux humains réussissant le rite de l'ascension. La capitale de l'ancien Shurima était la ville de Nerimazet et était le centre de la société shurimienne, centre d'échange de culture de l'Empire. La ville était divisée en districts, les plus riches au centre de la capitale, les plus pauvres et les esclaves vivaient sur les bords, sur les falaises rocheuses. Au sein de la capitale se situaient de nombreux lieux importants, tels que la tombe des empereurs ou encore le palais impérial. On y trouve également l'oasis de l'Aube, qui était la source principale d'eau douce de la ville, et cette oasis posséderait également des pouvoirs de guérison. C'est également ici qu'il y eut une tentative de création du premier disque solaire, mais cette construction fut un échec. Grâce à l'enseignement et l'aide des aspects provenant de Targon, l'Empire Shurimien réussit à construire le disque solaire. Ce dernier est un artefact capable de canaliser l'énergie du soleil créée par Aurélion Sol. Ces humains étaient des élus choisis par des prêtres et devaient se placer près du disque solaire afin de commencer le rite de l'ascension. Le disque solaire permet de transformer les mortels les plus dignes en héros, appelés les transfigurés. Ces êtres étaient des dieux guerriers quasiment immortels, aux traits d'animaux, et étaient considérés comme des légendes. Mais l'ascension n'est pas toujours un succès. Il existe également des mortels ayant échoué le rite de l'ascension, tels que Xerath. Ces êtres s'appellent Bakai, des êtres monstrueux formant un amalgame d'animaux et humains peu harmonieux. Ce sont des humains n'ayant pas réussi à prendre une forme complète de transfigurés, mais possédant malgré tout de puissants pouvoirs. Cela arrive dans la plupart des cas, lorsque ces mortels ne sont pas assez purs et méritants pour effectuer complètement le rituel. La ville d'Icacia, sous domination shurimienne, tenta de se rebeller afin d'obtenir son indépendance. L'host des transfigurés fut appelé pour calmer cette invasion. Les Icaciens déchaînèrent la puissance du néant et, incapables de contrôler cette arme, la cité d'Icacia fut détruite. Afin de vaincre le néant, l'Empire fit appel à Nezouk, qui créa le monolithe. Ce monolithe était une forteresse gorgée de magie, mais ce fut un échec et il fut détruit. Seul un fragment subsiste à ce jour. Malphite. Xerath était un esclave et l'ami d'Azir, mais avant qu'Azir puisse lui rendre sa liberté, Xerath voulut causer la chute de l'Empire par vengeance. Il persuada le jeune empereur Azir de tenter le rituel de l'ascension. Malgré de multiples avertissements qui conseillaient de réaliser ce rituel seulement en cas d'extrême urgence, Azir, souhaitant transformer son empire en modèle de vie et de culture, écouta son ami et mage Xerath. Mais l'orgueil d'Azir fut désastreux. Il commença le rite et Xerath le trahit en détournant et volant l'ascension d'Azir. Il devint un être de magie pure, tandis qu'Azir disparut. Mais cette trahison entraîna un énorme cataclysme, ravageant la capitale et enterrant le disque solaire.
Les frères transfigurés Nasus et Renekton sentirent que quelque chose était en train de se produire et se ruèrent au disque solaire. Ils tentèrent de sceller Xerath dans un sarcophage, mais le mage le brisa en éclats. Renekton le traîna par conséquent dans la tombe des empereurs, et afin de sceller Xerath, Nasus dut faire un sacrifice et y enferma son frère Renekton avec Xerath pour l'éternité. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Après la perte de leur empereur et de leur seule raison de vivre suite à l'affrontement contre le néant, les transfigurés les plus fragilisés et traumatisés se servirent de leur puissance divine afin de régner en tyran dans ce qu'il restait de Shurima. Afin de garder intacte leur puissance, ils durent en l'absence du disque solaire pratiquer une magie interdite. C'est ainsi qu'ils devinrent les Darkin. Les transfigurés n'ayant pas succombé à cette folie, affrontèrent leurs frères corrompus dans une guerre. Les Darkin furent finalement vaincus. Les habitants de l'ancien Shurima se retrouvèrent éparpillés et furent obligés de redevenir des tribus nomades, parcourant le désert et se raccrochant aux quelques oasis restantes. En effet, l'environnement est hostile dans les sables, surtout à Sai, zone habitée par les Xersai et leur reine Rek'Sai. Ces derniers disposent d'une grande partie du désert, et les commerçants doivent éviter et contourner son territoire, car ces créatures du néant, dont Rek'Sai est la reine, tourmentent les déserts du sud. Les majestueuses cités furent englouties par le sable, certains cherchèrent des richesses de l'ancien empire, d'autres devinrent des mercenaires. D'autres tentent encore d'oublier le passé. Shurima devint un désert inhospitalier et les dunes furent jonchées de ruines. Au cours des millénaires qui se succédèrent suite à la chute de Shurima, les récits parlant de la glorieuse capitale de l'Empire Shurima et de son disque solaire devinrent des mythes et légendes parmi les descendants des survivants de l'ancien empire. Une noble de Noxus arriva aux portes du désert, Cassiopeia. Elle était à la recherche d'un guide pouvant l'amener à la cité disparue. Elle recruta le mercenaire Sivir, accompagné d'un groupe armé. Elle partit en quête des vestiges de Shurima. Ils finirent par tomber sur des vestiges et s'y engouffrèrent. Les hommes les accompagnant moururent un à un en actionnant les pièges présents. Puis, Cassiopeia et Sivir finirent par arriver à la tombe des empereurs, qui servait de prison à Renekton et Xerath. Cassiopeia trahit Sivir et la poignarda. Lorsque la tombe fut ouverte par Cassiopeia, la statue géante de serpent qui gardait la tombe prit vie et, à l'aide de son venin, transforma Cassiopeia en créature mi-humaine, mi-serpent. Mais Sivir ne savait pas une chose, elle était la descendante d'Azir. Alors qu'elle était en train de succomber à sa blessure, son sang imbiba le sable, l'esprit puis le corps d'Azir s'éveillèrent, le rite de l'ascension put se terminer et Azir ressuscita. Azir vit le visage de Sivir et n'eut qu'une idée dans sa tête, la sauver. Il l'amena dans l'eau de l'oasis de l'ombre. Après avoir guéri la blessure fatale de Sivir, l'oasis de l'ombre s'assécha. Des rumeurs traversèrent les sables. L'ancien empereur Azir serait revenu à la vie et serait accompagné d'une armée de soldats de sable. Shurima fut ressuscité, le disque solaire réapparut. Renekton, plongé par la folie après ses nombreuses années enfermées avec Xerath, cherche à se venger de son frère. Tandis que Nasus souhaite obtenir le pardon de son frère. Mais Xerath fut également libérée et complote pour se venger. Cassiopeia, quant à elle, certes maudite par le serpent, possède dorénavant un énorme pouvoir. Aujourd'hui, Azir, empereur transfiguré d'une civilisation perdue, a pour objectif de rendre à Shurima sa gloire passée. Tandis que Sivir, de son côté, tente de tourner la situation actuelle à son avantage. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais avoir votre avis sur Arcane. Je suppose que pas mal d'entre vous ont déjà vu les 3 premiers épisodes, d'autres attendent peut-être la sortie de tous les épisodes avant de regarder. Dans ce cas, vous pouvez partir maintenant, la suite ne vous intéressera pas.
J'aimerais connaître vos théories. En ce moment, on en voit pas mal tourner. Par exemple, est-ce que Vander est Warwick? Est-ce que le scientifique est Singed? Va-t-il y avoir Dr. Mundo, Camille dans les prochains épisodes? Mais également, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Va-t-on pouvoir voir une réconciliation entre V et Jinx? Va-t-il y avoir un compromis de trouver entre Zone et Piltover? Etc. D'autres personnes s'amusent aussi à décortiquer les anciennes vidéos de Riot pour essayer de trouver des petites choses. Par exemple, dans le clip de Echo, est-ce que c'est Clagor qu'on voit sur le mur? Sur la tête de V, est-ce que ce sont les lunettes de Clagor, etc. Donc j'aimerais bien connaître vos petites théories, vos petites trouvailles, et n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, tout ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine!